Oh yeah. What's up, world? Cette semaine, on rencontre la voix d'Eva Longoria. Odile, tu es, entre autres, la voix d'Eva Longoria, qui est quand même devenue importante dans ta vie, parce que tu fais la quatrième ou cinquième saison de Desperate Housewives. On a fini la cinquième saison au mois de juin, et on va attaquer la sixième. C'est super, et ouais. C'est une très belle aventure. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, Eva Longoria? Qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie? En fait, bon, je bossais bien avant Eva Longoria, mais c'est vrai que... Avec toutes les séries importantes que mes camarades et moi avons pu faire, c'est la seule série qui a apporté une célébrité à la voix française. C'est vrai. Et ça m'a rouvert les portes de la pub. D'ailleurs, je pense pouvoir faire des travaux, si elle continue de bosser et si je continue de la doubler, je pense pouvoir faire des travaux dans la maison, ce que je voudrais faire depuis longtemps, mais... Bon. Tu vois, c'est ce que je fais, t'inquiète. Avec un nulos comme toi. Ah non, vraiment, on n'a pas idée de tomber sur un coin, c'est pareil. Oh non, t'es trop gentille, vraiment. Mais tu pourrais au moins me les mettre. Mais quand on est dans un personnage, on prend le rythme du personnage, de la scène, du film, l'ambiance, le climat, tout. Et quand on parle dans la vie, on a notre propre diction, on fait peut-être moins d'élisions, je ne sais pas. Enfin, en ce qui me concerne, j'en suis sûre. Et donc, on ne nous reconnaît pas forcément. On n'a pas le même rythme. Ouais. Et c'est pareil, quand j'avais fait Les Mystérieuses Cités d'Or, qui était mon premier boulot, je faisais Tao, le petit garçon. Heureusement que je n'avais pas cette voix-là dans la vie, parce que j'aurais été un peu limitée par rapport à ça. C'était quoi cette voix? Est-ce que tu pourrais nous la faire? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Moi, je suis super content de vous recevoir ici chez moi. Parce que c'est dommage, Esteban et Zia, ils ne sont pas là. C'est impressionnant. C'était incroyable. Mon tout premier boulot quand je suis arrivée à Paris, ça. Incroyable. Et puis il y en a plein d'autres. Il y a une série, je le sais par mes voisins, qui passe, qui s'appelle Sister Sister. Ouais. C'est une famille de ces deux petites filles black. Et elles ont comme voisin Roger, qui est un petit black qui est red dingue amoureux d'elle et qui est un peu collant, quoi. Donc je fais Roger aussi. Et Roger, ça donne quoi? Roger, c'est un peu plus comme ça parce qu'il est un peu plus mature, tu vois. Et il est grave amoureux, quoi. Oh, incroyable! Et on t'appelle autant pour les voix de petits garçons que pour les voix de femmes? Alors depuis Eva Longoria, moins pour les petits garçons. Mais il y a des petits garçons qui sont tellement merveilleux, il vaut mieux que ce soit fait par eux. Et puis il y a Jackie Berger qui les fait remarquablement. Ouais, et elle espère qu'elle n'arrêtera pas. Allez, l'anecdote! Il y a une dame qui me fait beaucoup rire. Arlette, elle s'appelle. Et elle est trop drôle parce que quand j'étais sur Les Feux de l'amour, quand je doublais Eva Longoria sur Oui, les feux, parce bah que, oui. Elle a démarré là-dessus. Elle a démarré là-dessus, tout et à fait. Enfin, je sais pas si elle a démarré là-dessus, mais en tout cas, elle a fait Les Feux de l'amour. Ouais. C'est une fan des Feux d'amour. Et alors, elle me disait: mais pourquoi vous avez trompé votre mari comme ça? Mais c'est pas bien de faire ça. Et si une fée descendait du ciel, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle réalise? Que je travaille beaucoup, que je gagne beaucoup d'argent ou que je gagne au loto. Parce que comme ça, j'aimerais bien pouvoir monter ma propre association. Au moins, je sais où l'argent irait. Et c'est pas la peine de partir au bout du monde s'occuper des pauvres. On en a déjà tellement chez nous. Un petit message pour la route? Que tout le monde pratique au quotidien l'humanité. Que les gens s'aiment vraiment. Comme je le dis, ça a l'air bateau, mais si c'était pratiqué ne serait-ce qu'à hauteur de 10% chaque jour, ça serait déjà beaucoup. Oui, l'humanité s'en porterait que mieux. Merci beaucoup, Odile. Je t'embrasse très fort. Merci beaucoup, à très vite. Shake that.